Je regarde un documentaire sur la fin du pétrole, sur l'effondrement à venir de notre civilisation. Je zappe. Je visionne une vidéo sur SpaceX et sa fusée géante. Fascinant. Nous irons sur Mars en 2030. Je lis un rapport sur l'avenir du climat. Flippant. Mars me semble bien loin. Tiens, le journal le 20h. Covid, Covid, Covid. Il faut se faire vacciner pour ne pas être un mauvais citoyen. Je me fais vacciner. Une amie m'envoie une vidéo sur Internet. Les vaccins seraient dangereux, c'est un gars plein de doctorat qui le dit. Zut. On verra bien. La Russie envahit l'Ukraine. On ne parle plus du virus. En attendant le bus, j'explique à ma fille que le cours de l'énergie a été multiplié par 35 sur les marchés, que c'est la faute de Poutine. Elle me dit qu'elle a 5 ans, qu'elle n'a pas encore appris les multiplications et que c'est pas bien d'accuser les gens. Pas faux. Je scroll sur Instagram. Un chat rigolo, une fille qui danse, un footballeur en jet privé. Je scroll, encore, encore, encore. On rate le bus. Une dame me dit de décrocher les écrans. À cause de la capacité d'attention moyenne d'un humain est aujourd'hui de 8 secondes, moins qu'un poisson rouge. Fichu algorithme. Je lis un rapport sur les pénuries à venir en eau, en blé, en ciment, en PlayStation, en tout. C'est la canicule, les fleuves sont à sec, les forêts brûlent, l'inflation explose et on rationne l'électricité. L'avenir est déjà là. Les Chinois tournent autour de Taïwan, la moitié de la grande barrière de corail est morte en 25 ans, Kim Kardashian a 340 millions de followers sur Instagram et il faudrait manger 21 oranges pour retrouver les nutriments d'une seule orange de 1950. J'angoisse. Je sors, il fait nuit, je lève les yeux au ciel. En voyant les étoiles, me dit que nous ne sommes que de grands singes qui s'amusent sur une planète perdue au milieu de nulle part. Je respire. Ça fait maintenant 6 ans que j'enquête sur le monde, que j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'ai lu des dizaines de livres, parlé à nombre de personnes, j'en ai interviewé plus d'une centaine, j'ai diffusé nos conversations sur mon podcast Sismic. J'ai appris tant de choses, sur tant de sujets, mais il me faut désormais recoller les morceaux pour pouvoir en faire sens. Comment mettre de l'ordre dans cette masse d'informations ? Tiens, et si j'écrivais un livre ?